Bonsoir. Ouais, moi aussi, je suis surpris d'être là. Vous avez vu ma gueule? J'ai pas tout à fait le physique pour ce métier. Hein. Quand les autres de la soirée montent sur scène, on comprend que c'est pour nous faire marrer. Quand c'est moi, les gens se demandent ce que l'informaticien de Comédia fout là. Est-ce qu'il y a un problème avec le site web? Non, les gens me croient jamais quand je leur dis que je suis humoriste. Ou alors, ils me répondent un truc très vexant. Ils me disent « Ah bon? Bah t'as pas l'air marrant. » Ok, j'ai l'air quoi? Puceau, d'accord. Si vous me connaissez pas, c'est normal. C'est parce que je suis pas connu. Non mais comme PA l'a dit, je suis suisse. Bon, je suis pas connu en Suisse non plus, mais ici j'ai une excuse. Donc je suis suisse, donc je suis comme un Français, mais en moins arrogant. Humoriste suisse, il y a quand même un avantage. Je crois que je suis le seul humoriste, pas encore connu, mais déjà riche. Mais pour moi, ça me fait vraiment bizarre d'être... Cette salle fait la taille de mon pays. Voilà. J'ai pas l'habitude de ça. Moi, chez moi, c'est plutôt des spectacles corporatifs pour des entreprises. J'ai joué pour des fabricants de machines à laver. J'ai joué pour des camionneurs. J'ai fait un spectacle dans une usine de matelas. Malheureusement, tout ça est vrai. C'est ma vie. Je crois que le spectacle le plus difficile de ma carrière, c'était à Noël, dans un chalet. J'étais déguisé en Père Noël. Et je montais sur scène juste après des danseuses de cabaret qui ont fini seins nus. Les gens n'étaient pas contents de me voir. Et c'est difficile d'applaudir à une seule main. Donc je gagne bien ma vie en Suisse, mais je culpabilise un peu parce que j'ai pas l'impression d'apporter grand-chose à la société, parce que je raconte des conneries, puis on me donne de l'argent. Et du coup, pour me donner bonne conscience, j'ai décidé d'entreprendre un voyage humanitaire et d'aller faire rire des populations défavorisées. Donc je suis à Québec pour une semaine. Ça va aller. En fait, c'est la deuxième fois que je viens à Québec. La première fois, c'était l'hiver et j'ai eu tellement froid. Et j'arrêtais pas de me plaindre. Et il y a un ami camerounais qui m'a répondu « Ah, mais t'es suisse, t'as l'habitude d'avoir froid. » C'est quoi ces conneries? C'est pas parce que je suis suisse que je peux pas avoir froid. Si lui me dit « J'ai faim », je dis pas « T'es noir, t'as l'habitude. » Enfin... Non, j'adore vraiment Québec, vous êtes incroyable. Et du coup, je pense que je vais pas repartir. Quand on vient à Québec, on n'a pas envie de repartir. Sauf quand on est une franchise de NHL. Non, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui croient que les Nordiques vont revenir. Il y en a aussi beaucoup qui croient que Jésus va revenir. Et si j'étais joueur, je miserais sur Jésus en premier. Non, pour le hockey, vous êtes les meilleurs au monde. Pour le sirop d'érable aussi. Pour le cannibalisme, vous êtes pas mal aussi. Luca Magnotta, j'ai vu qu'il était passé devant les juges. Ils ont découvert qu'il était schizophrène, vous avez vu ça? Schizophrène, apparemment il entend des voix. Ouais, c'est ce qui arrive quand tu bouffes des types. J'entends des voix. Non mec, t'as roté. Non, attention, la schizophrénie c'est une terrible maladie. Hein. Chez moi il y a eu un grand événement pour les schizophrènes, un gros succès. 500 personnes selon les organisateurs, 1000 selon les participants. Je crois que c'est mon joke préféré. Non, moi, je pense qu'on peut rire de tout. J'avais même une blague sur l'avortement, mais j'ai choisi de pas la garder. Non, on a beaucoup parlé de liberté d'expression dans l'humour. Cette année, il y a eu l'affaire Mike Ward chez vous. On a eu les attentats de Charlie Hebdo en France. Moi, j'étais à Paris à ce moment-là et ça a beaucoup inquiété ma famille, notamment ma grand-mère qui m'a téléphoné tout de suite et qui m'a dit « Thomas, est-ce que tu sais à quel point c'est dangereux d'être drôle à Paris en ce moment ?» Ce qui m'a beaucoup touché, sauf qu'elle a ajouté « Donc t'as absolument rien à craindre. » Merci, mamie.
Mais je suis content de quitter un peu l'Europe, parce qu'en ce moment, c'est vraiment la paranoïa des attentats. C'est un peu le monde à l'envers. Maintenant, on vient en Amérique du Nord pour échapper à la menace terroriste. J'aimerais vous féliciter, parce que d'aller voir un spectacle par les temps qui courent, c'est un vrai acte de courage. Mais il faut continuer de le faire, il faut continuer de sortir, il faut continuer de rire, il faut continuer de boire, il faut continuer de faire l'amour pour combattre le terrorisme. Et s'il y a une jeune fille dans la salle ce soir qui veut combattre le terrorisme avec moi, vous savez où me trouver. Merci beaucoup.